Chers amis, en cette semaine sainte, cette sainte semaine des chrétiens, je ne vais pas être très original, je voudrais avec vous parcourir quelques éléments de ce que la liturgie nous offre de vivre durant la semaine sainte et qui me touche particulièrement. Il y a la messe chrismale qui a eu lieu mardi ou mercredi selon les diocèses. Si vous avez déjà eu l'occasion de vivre la messe chrismale autour de l'évêque, les prêtres, les diacres, les acteurs pastoraux, le peuple de Dieu rassemblé, eh bien, comme moi sans doute, vous aurez senti battre le cœur d'une église diocésaine avec ses huiles bénies, consacrées, qui serviront tout au long de l'année. C'est un moment touchant, je trouve. Puis le jeudi saint, jour de diffusion de cette chronique, alors là, moi ce qui me touche particulièrement le jeudi saint, c'est évidemment la mémoire de l'institution de l'Eucharistie, mais peut-être plus encore ce geste qu'on a trop oublié, le lavement des pieds. On oublie trop souvent que le Christ, lors du dernier repas avec ses disciples, a fait deux gestes. Il a institué l'Eucharistie, mais il a aussi lavé les pieds en disant « Faites ceci aussi, moi qui suis le maître, je vous lave les pieds, eh bien faites la même chose ». Et de fait, vivre en vérité l'Eucharistie ne peut se faire que si on est disposé à se laver les pieds les uns des autres. Et qu'est-ce que nous donne l'Eucharistie si ce n'est cette disposition à être encore davantage au service les uns des autres? N'oublions pas ce geste du lavement des pieds. Le Vendredi Saint, il y a le très bel office du Vendredi Saint, mais moi ce qui me touche, surtout dans ces paroisses qui n'ont plus de célébration parce qu'il n'y a plus de prêtres, c'est ces chemins de croix que des laïcs animent. Et c'est beau d'y participer. Et puis, il y a aussi des chemins de croix dans les rues des villes. Par exemple, ici à Liège, d'où je vous parle, eh bien, l'évêque préside chaque année un chemin de croix à travers les rues de la ville. Et c'est beau de voir le peuple de Dieu marcher ainsi, derrière l'évêque, derrière la croix aussi. Le samedi saint, c'est le moment du silence. Le silence du tombeau. Et on peut faire aussi mémoire de toutes ces personnes qu'on a aimées, qui ont connu leur grand passage, et puis de toutes ces personnes qui vivent un deuil. Le Christ a connu le silence du tombeau. La vigile de Pâques, évidemment, avec les baptêmes d'adultes qui nous réintroduisent dans l'événement de notre propre baptême. C'est un événement à toucher. Et les fêtes de Pâques en général, ces lueurs de Pâques, qui nous rappellent que si évidemment notre foi en la résurrection nous rappelle qu'il y a une vie après la mort, mais elle nous rappelle aussi qu'il y a une vie avant la mort, c'est-à-dire que cette résurrection, c'est tous les jours, maintenant, qu'il faut en vivre. Il faut vivre comme des ressuscités. Alors vivons cette sainte semaine, ce Triduum pascal, ces lueurs de Pâques, de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme. Déjà une sainte fête de Pâques à chacun, et bonne journée.